Rebonjour, mesdames et messieurs. La deuxième phrase de la semaine, la voici. Nous irons acheter une nouvelle bicyclette. En partant, je m'en suis acheté une nouvelle bicyclette ici au Mexique. J'ai fait le tour de l'île de Cozumel au complet. J'ai mal aux fesses, mais c'était le fun! Nous irons acheter une nouvelle bicyclette et j'en serai fière. Moi qui suis une grande sportive, ha ha! Crase pour moi ça! Ok, nous. Premier mot, nous. Début de phrase, on met N majuscule. Deuxième mot, irons. Irons. C'est quoi le sujet de irons? Nous. S à la fin de irons. Nous irons acheter. Nous irons mordre ou nous irons mordu. Qu'est-ce qui se dit? Nous irons mordre. Acheter va finir par E-R. Nous irons acheter une. Une. Nouvelle. Nouvelle. Bicyclette. Il y a un I, il y a un Y. Comment qu'on fait pour savoir si le I est au début, le Y après ou le Y au début? Bi, ben dis-toi que bi, B-I, ok? Retiens ça, bi, là, quatrième année, mais tu sais, mais c'est une secondaire, tu sais. Mais tu sais, on va dire un binôme. Quelqu'un qui aime, bisexuel, c'est un mot qui existe, bi, binôme, un bi... Quand c'est spontané comme ça, je m'excuse, je suis fatiguée, ça me vient pas. Mais bi, c'est pour dire qu'il y en a deux. Donc le bi, B-I, c'est pour dire qu'il y en a deux. Donc, tu vas pas mettre un Y au début, là, parce que c'est bi pour dire qu'il y a deux roues. C'est comme la cyclette à deux roues, donc bi, ben il y a deux cyclettes dans bicyclette. Voilà le truc pour savoir où on met le Y dans bicyclette. Maintenant, clette, n'oublie pas, il y a deux T, hein? Bicyclette. Nous irons acheter une nouvelle bicyclette. Et Jean, là, c'est pas Jean comme Jean-Robert. Non, c'est Jean comme je et en. Donc, J apostrophe N, Jean. Serait. C'est comme, au lieu de dire, j'irai acheter une nouvelle bicyclette et je serai fière de ma nouvelle bicyclette. C'est un bicyclette, 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 puis ça se répète. Mais on remplace le mot bicyclette par le petit pronom « en » qui remplace le mot bicyclette. C'est pour ça qu'on dit « j'en serai fier ». Nous irons acheter une nouvelle bicyclette et « j'en serai fier ». Virgule après « fier ». Attention, « fier », c'est au féminin. C'est une madame qui raconte l'histoire. Donc, j'en serai fière. Au féminin, fière. Moi, qui suis. Comme je suis. Le verbe être. Moi qui suis. Une grande. Grande. Sportive, mais t'as le mot sport et Yves après. C'est bon? Sportive, point. Nous irons acheter une nouvelle bicyclette et j'en serai très fière. Et j'en serai fière, excuse-moi. Moi qui suis une grande sportive, corrige-toi. Comment ça a été? Crie-moi-les dans les commentaires.